Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je suis aujourd'hui avec Hervé Moinardeau, coprésident de la Cinémathèque de Vendée, qui est venu aujourd'hui avec une très belle affiche, La fille perdue, un film de Jean Gourguet. Alors Hervé, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, bonjour à tous. Alors La fille perdue, c'est un film tourné par Jean Gourguet, vous l'avez dit, en 1953, en partie à Noirmoutier. D'accord. Et qui est sorti tout début 1954. C'est un film un petit peu méconnu, qu'on a, on va dire, un petit peu œuvré pour ce qui sort en DVD en début d'année 2022. Là, c'est le début de cette année. D'accord. Donc je suppose que vous êtes venu ici car le film sort en DVD. Il est sorti en DVD, oui, il est sorti en DVD, oui. D'accord. Et est-ce que vous savez de quoi il parle à peu près ce film ? Alors c'est l'histoire, c'est déjà un film, on peut parler un peu de Jean Gourguet d'abord, qui était un des, on peut dire un pionnier de la nouvelle vague, parce que c'est un réalisateur, producteur indépendant, qui a voulu très tôt être indépendant, qui a créé la fameuse société, les SFP, la Société des films français, de Société française de production, pardon. Oui. Et Jean Gourguet... du coup, a voulu venir faire un film sur cette histoire, donc La fille perdue, qui raconte une histoire d'une femme, Marguerite, interprétée par Claudine Dupuis, qui habitait à Noirmoutier et qui a été contrainte d'abandonner sa jeune fille, Guitou, interprétée par la petite Zizi Sinclair. Et du coup, Marguerite, la mère, est embauchée dans ce qu'on appelle une boîte, un bar sur les quais de Nantes, où elle doit rabattre des matelots dans les bars. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est un film qui a été tourné en Vendée. Oui, en partie. Il y a une partie en Vendée, il y a une partie à Nantes, une partie en région parisienne. Alors, on peut s'intéresser à la partie en Vendée, qui a été tournée... du 4 au 11 mai 1953, j'ai les dates précises. Oui, effectivement. Ouais. D'ailleurs, même j'ai quelques infos précises qu'on peut retrouver, parce que West France, à l'époque, a couvert le tournage du film. D'accord. Donc on sait que le 4 mai, au matin, ils ont commencé, côté Beauvoir, à filmer le Gouas, qu'on voit dans le film. Ensuite, ils sont allés au moulin de la Guérinière, le même jour. Alors, une chose qui est assez intéressante, c'est que parmi les quatre moulins de la Guérinière, ils ont tourné au moulin qui, quelques années après, sera acheté par le couple Jacques Demy et Agnès Varda. D'accord. Donc, c'est intéressant de voir le moulin avant que le couple Demy-Varda l'achète. Et ensuite, ils ont tourné sur l'île de Noirmoutier durant la semaine. Ils ont tourné aussi à la plage des Dames. D'accord. On y voit aussi des staccades. Très très connu d'ailleurs, la plage des Dames, qui a été beaucoup utilisée pour le cinéma. Oui. Aussi connu pour le petit Nicolas, petit Nicolas de Laurent Tirard, beaucoup plus récemment. Voilà. Alors, et ce film, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a décidé d'être réédité ? Alors, il a été réédité parce que je fais pas mal de recherches sur des films anciens tournés en Vendée. D'accord. Et en 2019, on a eu la chance de rencontrer la fille de Jean Gourguet, qui en fait se trouve être la jeune fille, la petite Zizi, l'actrice. D'accord. La petite Zizi, oui. Qui s'appelle en réalité Geneviève, donc Geneviève Costovici de son nom de mariée. Donc on a eu la chance de la rencontrer et de l'interviewer avec Patrice Gablin, qui était alors président de la Cinémathèque de Vendée et qui était aussi le tout premier présentateur de la bobine du jour. C'est ça. Donc on a rencontré cette dame et on a fait une interview sur le tournage du film et sur son père. D'accord. Et donc le film a été racheté par un éditeur, non ? Ou c'est indépendant ? Non, le film... alors comme Jean Gourguet était indépendant, les droits du film appartiennent aux héritiers Gourguet. Donc ensuite, ce sont les héritiers Gourguet qui traitent avec un éditeur. D'accord. Pour que le film sorte en DVD. D'accord. Eh bien, très intéressant. Je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait pour que ce film sorte à l'heure actuelle. Je vous laisse, quant à vous, chers téléspectateurs, regarder un extrait de la bande-annonce de ce film de 1953, c'est ça ? Oui, tourné en 53, sorti en 54. Voilà. Et je vous retrouve, quant à moi, dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.
n'existe plus. Ici, je suis Rita, quelqu'un qui travaille dans une boîte du port. Maintenant, nous ne pouvons plus rien avoir de commun toutes les deux. Fais ton boulot. Fais pas cette gueule-là, les clients du prochain. Allez. Vous attendez quelqu'un? Ça vous regarde? En un verre? Oh, laissez-moi tranquille. Eh bien, si on te le demande, tu dirais que je me promène. Hé, un petit conseil. Traîne pas trop autour de Rita. Alors, on veille au grain, mon pote? Peut-être. C'est bien toi qui travailles chez Suzy. Oui. Bon, Marguerite Lecoq, dites Rita. Oui. Bon. Si je suis venue, c'est pour que tu saches que si jamais par hasard il m'arrivait quelque chose, tu puisses dire à ma petite ce que j'essayais de faire pour elle.